Bishop Nerland gagne autorité au ministère de la Justice qui prend décision pour capable délocaliser le tribunal, l'idée pour capable permettre au tribunal à fonctionner normalement. Gagne diverses réactions qui fait sous décision ça. L'association nationale magistrat ici au bas de bravo pour décision qui prend pour délocaliser le local tribunal sous Bishop Nerland. Président Nama juge Jean Wilner moins quoi condition ta vu dans le tribunal sous Bishop Nerland pas adéquate pour le travail. Juge Jean Wilner moins quoi pour autorité dans la police pour prendre disposition pour empêcher phénomène insécurité arriver dans l'espace tribunal à côté tribunal après le trouver là en côté déclaration Jean William Morin dans micro Alex Gauthier. Bon, sans décision que j'ai que nous apprécions parce que ça fait 3 ans que nous même n'a pas plaidé pour délocalisation du tribunal parce que nous trouvons dans un criminogène. Et 3 ans depuis que Bakane a fait le criminel, 3 ans depuis que personne n'est pas capable vraiment de descendre le tribunal là pour y soutenir aucune affaire. Les avocats sont décapitalisés, les justiciables n'ont pas accès à la justice. Et son plaidoyer moi-même, Jean-Willem, bon, le président de la NAMA, moi, a fait depuis plus de 3 ans, moi, je viens de rejoindre au coup de route. Par le bâtiment, mon fils, il va nous regretter mémoire. Donc, bon, c'est venu très tard, mais pas trop tard, parce que mieux en retard que jamais. Donc, je crois que c'est une bonne décision. Haïti, je dis à là, c'est un pays d'insécurité, d'après que nous-mêmes, nous n'avons qu'à choisir qui côté. Cependant, il y a un côté qui est plus mal au clan là. Par exemple, il s'est mis à la zone, je dis à, on est obligé de quitter Caillou. Toute forme de problème, ça fait que l'État lui-même est obligé de conscience, sans qu'il dépasse tout le monde là. Donc, on croit que l'État va chercher un espace très approprié pour que rapidement, il y ait un côté où on était, un espace qui n'a pas accessible pour tout le monde. Mais est-ce que nous-mêmes, nous pas craintes pour un nouveau local que nous prenons pour phénomène de sécurité par eu aggravé dans la zone que nous prenons? Écoutez, il y a un CSTN qui est là, qui est même pour prévenir. Donc, c'est ça, l'aide de la police nationale, et protéger et prévenir. Donc, il y a en sorte que. Et le contrat de sécurité qui peut permettre que le tribunal là, côté Rouen, est déjà là fonctionner normalement. Dans sa cuillère avec dossier tremblement 14 d'août, le premier ministre Ariel Henry a visité le département NIP hier mardi 24 d'août. L'objectif de tourner ça, c'est pour fournir, j'ai gardé comment dégâts tremblement 14 d'août dans le département. Et puis, j'ai parlé avec le magistrat Azek, qui est dans la 4e section communale Mia Guanio, pendant le félicité responsable pour façon aide à distribuer dans la commune. Et puis, promettre pour continuer à accompagner victimes. Nous invitons au côté premier ministre Ariel Henry, notre collaborateur, nous Henri Claude Clercet depuis ville Miyagouane. NIP, pour moi, à Jumain, des gars qui te gagnent, réponse là, et qui gens, nous a organisé pour continuer à vivre. Moi, recevoir un bon rapport, mais ça, moi, sur le terrain, il y a une valeur plus importante que juste rapport. Bon ministre qui est dans Niblan, qui fait un rapport tous les jours de mission le gain dans Niblan. Il fait des rapports avec des chiffres, avec des photos et avec même ça le senti qui a passé sur le terrain. Je vini moi et gagne des bagarres moi qui touche moi. Moi la police a fonctionné dans des conditions très difficiles. Et il y a un certain nombre de décisions que je prends, je viens là. Moi, la population a en pile difficulté. En particulier, plus que manger, tout côté me passé, ça a demandé, il a demandé un abri. C'est-à-dire qu'il a demandé bâche, il a demandé tente. Actuellement, dans le pays, nous n'avons pas suffisamment de tente, nous n'avons pas suffisamment de bâche. Nous avons fait un genre pour que rapidement, le plus rapidement possible,
bâche attente que nous demandons déjà, il arrive plus vite que ça le dit. Parce que nous n'avons pas capable encore et il faut nous arriver. Moi, où est tout des mondes qui décident de gourmets pour continuer à vivre. Pour continuer à vivre dans de meilleures conditions. Pour construire une caille qui ne peut pas tomber sur eux. Et moun sa yo, moi di yo chapeau. Yo vle voye petit yo l'école. Yo vle, en fait, reprendre vie en main. Nous-mêmes, dans le gouvernement, nous allons faire tout ça capable pour que yo capable reconstruire vie, yo capable retomber sur deux pieds. Et non seulement yo capable retomber sur deux pieds, mais que l'économie nan ni plan reprenne pi bien que ça a été avant. Merci. Non, moi, je vois une réponse qui est organisée. Et je suis très content, je l'organise, elle est très organisée. Au top côté, intervention Premier ministre Ariel Henry qui était visité le département NIP hier mardi 24 d'août. L'objectif lancé pour le fournir, garder comment dégâts tremblement de terre 14 d'août dans le département. Il n'est pas seulement arrêté là, il est allé visiter tout divers l'hôpital qui est touché après tremblement de terre 14 d'août. Visite là, d'après Premier ministre Ariel Henry, c'est pour capable de constater niveau dégâts tremblement de terre causé sous différents secteurs, tant qu'un secteur sanitaire avec plus passé 25 institutions qui affectaient. L'été visité l'hôpital Lumière de Bonnefin, dans la commune Cavaillon. Là, à côté, l'été annoncé diverses mesures d'accompagnement. L'hôpital Lumière de Bonnefin, qui partiellement détruit, situé dans la hauteur de la commune Cavaillon. En plus, un message, réconfort, lancé niveau et bail toute victime, dit pour accompagner la communauté pour capable répondre à urgence et puis planifier plus vite possible relèvement. Après quelques temps, l'itéran ni tout l'asile côté les visiter local l'hôpital référence yon même tout qui affecté après tremblement de terre 14 d'août. Le Premier ministre a renouvelé solidarité et puis soutien gouvernement responsable et puis à la population qui victime tremblement de terre 14 d'août. C'est ça, amis auditeurs, non seulement Premier ministre a visiter NIP, objectif a été chita parler à Kazek, magistrat Azek, qui ont tout li a été visité divers l'hôpital qui affecté et pour mettre pour capable accompagner l'hôpital Sayo pour capable reprendre service normalement. Si gain si bâtiment surtout endommagé pour capable accompagner nous nous s'accueillons avec don ces divers côtés dont yo a sorti depuis après séisme qui passait dans pays d'Haïti notamment dans grand sud pays gagné Vatican qui yo même tout yo annoncé yo a pas by aide pa yo Vatican annoncé y a voué pas Saint-Pierre Haïti à travers Dicaster pour service à développement humain intégral et en première contribution 200 000 euros qui c'est environ 234 600 dollars américains pour des victimes tremblement de terre 14 d'août. Cité Vatican 24 d'août 2021, un communiqué qui est publié mardi, Saint-Siège a informé et pape François voyez yon première contribution 200 000 euros environ 234 600 dollars américains pour capable aider population en phase urgente qui déjà tenait en situation difficile à cause de COVID-19. Aide ça, voyez à travers Dicaster pour service et développement humain intégral. D'après ça, Vatican précisé, côté le souligné, il pral distribuer aide ça en collaboration avec une nonciature apostolique parmi diocèses qui plus touché après établissement de terre. Contribution ça traduit expression immédiate, sentiment, proximité spirituelle, encouragement, pas Ténel, pape François a manifesté envers moun territoire qui touché yo et l'a servi l'agence a yo voye après servi pour capable et des mouns qui sinistré yo. Contribution de 266e pape, l'église catholique accompagné et prière en faveur population haïtienne. Et puis il fait partie aide qui, côté toute l'église catholique, t'est mobilisé et mettait sous ça diverses conférences épiscopales avec diverses organisations caritatives pour capable collecter l'argent ça pour voyer pour pays d'Haïti.
L'autre information toujours sous dossier ça, Jean Nondoula gagne Vatican qui décide by contribution pâle, li by une première contribution c'est 200 000 euros qui c'est environ 234 600 dollars américains pour des victimes tremblement de terre 14 d'août dans un pays d'Haïti. C'est une première contribution. États-Unis pas suspend vrai by soutien pâle tout, non seulement li by en espèce mais tout en nature, gain navire combat littoral Freedom variant USS Billings ak USNS Burlington, yon navire qui transporte rapide expéditionnaire pointe qui revient dans grand sud pays qui n'était pour capable porter soutien yo ak troupes américaines et puis opération secours en cas où ta gen catastrophe qui yo même t'est déjà déployé sur territoire depuis 22 d'août là. C'est ambassade américaine qui fait annonce là dans un tweet. Ambassade américaine dans pays d'Haïti, navire marine américaine Billings et ak Burlington yo nan large côte pays d'Haïti pour capable soutenir opération aide humanitaire ak secours désastre. D'après un tweet ambassade là, en tant que composante maritime mission ça, nous là pour nous là déjà sur place et nous déjà prêt pour nous porter tout soutien nous, soutien possible by USAID, déclaration capitaine Peter Ehlers, commandant composante maritime force conjointe. Navire nou yo, avion nou yo ak personnel yo, yo tout prêt pour porter secours avec ak pep haïtien. Gen l'autre initiative qui apprend que ce soit dans le secteur politique là, ou bien dans le secteur organisation cap défendre droit moun ou bien organisation l'autre organisation pour capable porter secours à divers citoyens qui victimes dans tremblement de terre 14 d'août là. Union nationale normale haïtienne a annoncé une journée solidarité pour jeudi mercredi dans Port-au-Prince avec plusieurs villes provinces dans l'idée pour collecter dons pour anciens qui victimes dans grand sud pays après tremblement de terre 14 d'août passé. Gen plusieurs espaces côté volontaire capable porter don yo d'après yon responsable UNOA qui cité local UNO nan bois vernal l'école normale supérieure université Kiskeya ak Asso gen yon comité qui mettait sous pied pour capable gérer aide yo qui pral distribuer weekend cap vini là toujours d'après Josué Merlin qui t'est profité on critiquer autorité dans l'état qui d'après lui mal distribué don yo en côté déclaration Josué Merlin qui t'est dans micro Radio Mega. Notre conférence ça veut dire que force est à coordonner donc une structure de protection aide là pour permettre que nous vivons, permettre que toutes victimes joignent quelque chose pour soulager. Et en déposition, nous gagnons jour et jour, et dans le cadre de la campagne là, organisation, dont journée de solidarité qui a fait dans Port-au-Prince et dans plusieurs villes de la pays. Journée mercredi 25 d'août là. Non, en office, nous gagnons en attendant 6 centres de collecte. Nous gagnons un bureau UNO, ici, à 95 Bavena. Nous gagnons un bureau ASSO, non, rue Elben, numéro 23 à l'étage. Nous gagnons école normale supérieure. Nous gagnons université Kiskeya, Roturjo. Nous gagnons presse café Petroville, qui est dans la rue Rigo, numéro 28. Nous gagnons l'université Kiskeya, l'université Caraïbe, qui est débat 29, et nous gagnons la possibilité pour gagner Carrefour, le centre que nous avons pendant la journée, et bah, nous avons sous, qui nous a dit que deux projets, nous avons planifié pour que dans Carrefour, tout, nous avons dit que enseignants, parents, tout le monde de la population qui comprennent que les professeurs, qui sont pour nous d'éducation, très bénéficiés de solidarité, nous avons tenu dans 6 centres de collecte solidaire. Et dans le Pont-de-Paix, dans Saint-Marc, dans Gonaïve, dans la place centrale, non, il y a des centres qui sont à ça, parce que UNO, dans diverses zones solidaire, a organisé des collectes et de dons en espèces et en nature, mais que nous venons d'être enseignants d'ici le week-end dans la ville-là. Pour nous débarquer, la gratuite là, pour le côté coup de pouce. 6 heures.
On a prêté intervention à Josué Mérilien qui annonçait une initiative qui prend pour capable porter secours à enseignant qui victime dans le grand sud pays après tremblement de 14 d'août passé. C'est jeudi, c'est une journée solidarité pour jeudi qui a fait dans Port-au-Prince avec plusieurs villes, provinces, diverses locales pour capable porter don par aux amis auditeurs ou capable aller dans une eau, capable aller dans l'école normale supérieure qui sous Sean Masla, on capable aller dans l'université Kiskeya qui toujours, on capable aller dans le local Asso qui na Ruel Bern et au tapta d'extrait à gain l'autre ville province. Initiative lancée pour capable porter pour mettre pied par yo par rapport avec ça qui a arrivé là. Pendant nous a parlé de éducation, gain ministère éducation nationale puisque c'est 6 septembre yo été annoncé pour capable pour réouverture l'école yo, mais ministère éducation nationale mettez sous pied une cellule urgence pour objectif cellule ça nous pral permettre gain information sous cellule ça et puis du qui est qui fait partie cellule si là ministère éducation nationale formation professionnelle annoncé création yon cellule urgence à mercredi 24 d'août là cellule ça visée coordonner action ministère à niveau national yon façon pour capable pour évaluer dégâts qui fait dans secteur éducatif là après passage tremblement de 14 d'août et puis chercher connait besoin urgent yo pour capable faciliter reprise activité scolaire au plus rapide possible dans zone qui affectée yo mon qui fait partie commission ça monsieur Joseph Jackson qui c'est coordonnateur représentant direction générale là monsieur Bayard là pour Mirail secrétaire général représentant et unité études et programmation monsieur Hudson Jean-Baptiste secrétaire exécutif représentant cabinet ministre monsieur Hudson Saint-Fleur rapporteur représentant bureau communication Jean-Henri Télémac monsieur Jean-Henri Télémac membre représentant cellule gestion risque et désastre monsieur Romial Daniel membre représentant direction génie scolaire monsieur Yves Roblin membre représentant direction planification monsieur Volvic Germain Charles membre représentant direction appui et enseignement privé puis partenariat monsieur Éterville Pierrien membre représentant direction enseignement fondamental monsieur Maxime Mézilas membre représentant en direction enseignement secondaire et c'est en fait Mounsayo qui fait partie cellule urgence ça li gen 10 moun qui fait partie cellule ça objectif là c'est pour capable coordonner action ministère à niveau national une façon pour capable évaluer dégâts qui fait dans secteur éducatif là après passage tremblement de 14 d'août là et puis chercher qu'on ait besoin UGO pour capable faciliter reprise activité scolaire plus rapide possible cellule ça gagne 2 mois pour capable accomplir travail la prendre compte mise en œuvre activité chaque semaine by directeur général et puis ministre ministre qui a décidé s'il y a prolongé ou pas mission yo. Yon membre cellule ça après mettre yon rapport complet et puis recommandation by autorité nan ministère nan après yo mandat yo. Pas oublier mandat yo c'est 2 mois y a bien pour remettre rapport puis recommandation by ministère by autorité nan ministère éducation nationale formation professionnelle. Ministre si besoin nécessaire capable modifier mandat ou bien composition cellule ça d'après ça précision communiquer ça à qui sorti dans ministère éducation nationale qui porte date 24 d'août 2021 c'est Marie-Lucie Joseph qui s'y est note si là qui c'est ministère éducation nationale formation professionnelle qui s'y est circulaire ça
réaction sous dossier ça, sous question l'école ça a pris passage tremblement 14 à Downland, sous question date 6 septembre là, syndicaliste José Mélé mandé à autorité au ministère éducation nationale et formation professionnelle pour yo repenser à date réouverture l'école yo qui prévoit pour 6 septembre qu'a venir là pour justifier position là. José Mélé cité catastrophe naturelle yo qui passe dans grand sud pays en ça qui la cause en pile l'école crasée ou bien endommagée avec instabilité politique pour l'école à relouvrir professeur Mélien quoi gagnon ensemble disposition qui doit prendre plus au niveau l'état tant qu'ou accompagné parents directeur professeur qui victime yo mettez sous ça relocaliser et puis réparer l'école qui crasée ou bien endommagée pendant passage séisme 14 d'août là en côté professeur José Mélien dans micro radio Mika pour mettre l'école là nous avons déjà en situation politique et délétère, c'est en bas, et qui s'apprêtait à activer ce là. Ça c'est une, mais qui a rien d'avis dans le Grand Sud, d'autres mètres de terre, plus on s'y prend qui passait, qui mettait d'avis Mounio dans une situation difficile. Avant le suspens, le cavalier de procéder au petit l'école de suspensement, elle connaît un, recensement toute l'école qui, ou bien écrasée, ou bien endommagée, qui mérite réparer ou bien qu'a construit, par exemple, est-ce que ça fait déjà, est-ce que le ministère a dit nous, un, combien d'écoles qui crasent, combien d'écoles qui endommagent, qui fait ce qui prend pour que l'école qui endommage, nous réparions rapidement. Parlant d'élèves qui ont difficulté, c'est quand il y a une difficulté, est-ce que le ministère d'accompagnement qui prend pour eux, pour lui-même, le ministère a supposé reconsidérer date 6 et septembre. En rapport à ce qui passé à la situation politique là, globalement, en rapport à tremblement de terre cyclone Grand Sud, en rapport à l'insécurité pour une zone d'école Pacal ou Binayo, Pacal même fermé, pour avoir la République. Donc, un, pour le ministre a dit, un, qui met le capoir pour l'école yo? Qui crase yo? Et en cas reçu, l'école qui endommagée, réhabilitée, réparée. Deux, qui mesure spéciale d'apprend pour parents, professeurs, dit à l'école, non, gratuite là, dit pas béa. Qui mesure d'apprend pour l'école qui, dans la zone, pendant la troisième circonscription, qui a boulé, qui a déchappillé, etc., gagné des syndicalistes, des leaders syndicales, qui étaient victimes de mesures répression des syndicales, qui, sa raison, pour qu'on rétablisse, non, doyau. Nous pensons que pour l'école de l'ouvrir, un, pour que les mesures de l'école qui prend, deux, pour l'école de réparer, trois, toutes les mesures de l'école contre l'idée syndicale qui a couvert là, par Agénor, parce que en fait, c'est un groupe moyen qui va digérer le syndicat. Donc, il faut que les mesures reportées rapidement avant l'école de l'ouvrir, il faut que les mesures de sécurité qui prend, pour toute zone côté et l'école qui est oubliée, faire les portes en va aller à fini. Nous poursuivons avec information yo n'a toujours été sous dossier tremblement de terre 14 d'août là gain bureau avocat international qui présente un rapport observation li fait dans département sud pays a sorti 19 février 23 d'août 2021 dans rapport sa responsable yo responsable BIA Mario Joseph a dit constater un pile dégâts qui fait un pile cas écrasé dans plusieurs communes et sections communales li visité homme de loi a dit constater tout un pile monde toujours en bas combes. D'après Mario Joseph, bilan dégâts autorité au présenté au plus grave toujours d'après constatable en route maître Mario Joseph en ami quoi Alex Gauthier. Sorti jeudi 19 d'août là pour arriver lundi 23 d'août là, BAI a visité plusieurs communes dans Grand Sud là. Tremblement de terre a été frappé tant coup Camperin. Nous avons visité Akin, nous avons visité Saint-Louis du Sud, nous avons visité Cavaillon. Là nous dit nous visiter commune ça yo n'aller côté en dehors honnête dans section communale yo tant qu'on en Camperin nous té metté focus nous dans ville là dans Bouclan mais tout dans troisième section communale commune Camperin et dans Akin nous té resté dans ville là et l'autre côté n'aller dans localité yo c'est pour nous dire nous faire
une observation plus ou moins exhaustive des situations côté Mounio vraiment touché. Dégâts ont été constatés dans la commune Sayo, Kay Mounio crasé et bâtiment public crasé. L'église nous constatait en moyenne plus que 100 écoles. Alors, dans la commune, parce que ce n'est pas tout grand sud là. Et l'église catholique, puis faut l'église crasée, que ce soit dans, normalement dans le Camperin, l'église Saint-Anne depuis sous Mathieu, et il était crasé, donc il a préconçuit. Mais dans Cavaillon, et l'église catholique l'a tombé. Et dans Okaï, par exemple, l'église qui beaucoup de marché, il est crasé. Dans Saint-Louis, l'église Saint-Louis a crasé, mais pas qu'on est qui j'en demain, comment Saint-Louis a fêté dans Saint-Louis du Sud. Et Saint-Thomas d'Aquin, dans Aquin tombé. L'église dans Solon, presque impraticable. Mais il y a campé, mais il y a un pile fissure. Nous avons constaté tout qu'il y a un monde qui était encore en bas des combes. Peuple là, dans une catastrophe humanitaire. Bref, bilan autorité protection civile, ben nous, il y a une idée globale sur un plein catastrophique. Mais pareil, aussi grave. Et m'a expliqué nos gravités qui fait pas expliquer. Par exemple, troisième section commune Camperin pour la donne, le seulement accessible parce que monde qui connaît Camperin bon petit passerelle seulement motocyclette qui a passé ou bien mon à pied. Mais monde qui est dans machine ou bien qui dans troisième âge qui pas capable prend sous course motocyclette pas aller parce que la ville du sud là pas facile ça et autorité yo pas fait rien pour ta résoudre problème non pendant parler avec nous là pas croire que moun yo ko joine rien dans troisième section communale Camperin parce que route là li impraticable pas ka traverser ravine non et m'te wè on tire avec ta fait la dan vendredi est-ce que avec un seul bacolodeur ouais donc pas gagne pas croire gagne possibilité pour te river dans section communale ça donc bagayo en pile nan men. Au tap pour intervention, maître Mario Joseph t'a toujours été avec homme de loi qui dénoncé autorité au gouvernement dit qui pas développé leadership pour accompagner victimes yo. L'état totalement absent dans département sud là d'après Mario Joseph et ses raisons ça d'après les qui occasionné présence politicien n'importe aide by victimes yo pour faire campagne électorale yo situation maître Mario Joseph dénoncé en côté déclaration toujours dans micro Alix Gauthier. Son bagaille qui grave. L'État a 8 jours absent totalement dans le Grand Sud. C'est ça que nous avons fait. Il y a un pile d'autres monde, politiciens, c'est eux qui ont pêché ou érave. L'État local, je vais parler de magistrats, Kazek, Azek, ils n'ont pas eu aucun rôle pour jouer. Et tout le monde arrivait de manière anarchique, il a fait ça au Pibito. Par exemple, moi, ouais, mairie Port-au-Prince, vendredi 20 d'août, dans le côté, m'a expliqué nous de l'OA. Et rivière ou bien ravine du sud là li passé a un gros camion bascule qui semblait gagner de l'eau là-dedans sachet de l'eau yo. Son bagaille grave gravement grave pour comment il a démonisé moun yo comment il a retiré humanité moun yo moun y a goumé moun a prendre sachet de l'eau tiré alors que li t'a plus bien fait si mairie Port-au-Prince maron et moun yo besoin bay jarret politique en bas li t'a plus bon pour le tabac Kazek là bay magistrat communal là et qui était capable au moins connait moun yo connait moun qui en besoin yo donc son bagage vraiment grave l'état pas même bay tête li moyen pour le coordonner et puis créer conditions sécurité pour population dans l'autre département yo ak dans diaspora pour son avec victime grand studio par exemple il y a plusieurs convois humanitaires yo pas arrivé yo pillé yo gien en pile zone reculé population pas qu'à faire solidarité à cause problème route là et surtout gien quelque aide les a distribué c'est dans gros laisser frapper bing bang alors que pendant m'a dit non ça gien l'autre aide qui distribué en bas gros sécurité qu'on ça yo montrer non seulement l'état haïtien pas créer moyen pour faire prévention pour réduire dégâts catastrophaux mais tout ni pour porter secours d'urgence à victimes. Nous, ouais, l'État haïtien, lui créé à côté catastrophe naturelle, yo, yon l'autre catastrophe. Moun qui te vini te campé pour te joindre, aide nous qui très sécurisé avec l'armée, la police, l'armée dehors sous route là,
la police en dedans qui a écouté en dit d'offrir mon yakivet, il a bousculé pour bayo et là c'est des bagages me constater à degré de bagages mon a dit et me parler avec certains monde moi qu'après tourner les moi yo sorti dans bouyara mandé ça passé à pas nous pas arrêter et là pas pour nous dire non nous pas ca joindre aide député Andy Dorfer là parce que nous pas déposé quatre des malogues là déjà moun qui gagne quatre yo kan ba de combio qui victime pas venir rien moun qui pas gagne quatre des malogues tout pas venir rien parce que c'est dans campagne électorale ancien député Andy Dorfer hier sénateur Aya avec sénateur Sildo qui fait même bagarre donc qui donc nous dit nous même gens avec 2006 et eh bien c'est campagne électorale là donc monsieur Ariel pas gagne l'autre bagarre à faire tout droit dans élection parce que la favoriser des mouns de PHTK qui était ou bien favorable à PHTK, mais qui était dans le gouvernement PHTK, mais pour reprendre place dans le Sénat, dans la Chambre des députés. Qu'on voit m'te ouais.